On y va. Moi, c'est Lambert Nikarura, je suis avocat burundais. Je suis également président de la coalition burundaise pour la communauté internationale. Le Burundi est un pays aujourd'hui en situation qui fait objet d'enquête de la Cour pénale internationale, effectivement suite aux allégations des crimes contre l'humanité et d'autres violations graves des droits humains en train de se commettre en toute impunité. Moi, j'ai décidé de prendre ce parcours, effectivement, parce que dans mon pays, le Burundi, j'ai constaté que les crimes qui sont commis au jour au lendemain n'avaient pas eu une poursuite convenable de la part de la justice interne. La justice burundaise étant aujourd'hui une justice manipulée par le pouvoir, donc une justice qui n'est pas du tout indépendante, une justice qui n'a pas la volonté ou la capacité de poursuivre les auteurs des crimes aujourd'hui en train de se commettre. Donc j'ai décidé d'embrasser ce parcours, surtout d'accompagner la Cour pénale internationale pour qu'aujourd'hui, cette juridiction internationale, cette unique juridiction internationale puisse faire le travail en conformité du principe de la complémentarité. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je suis engagé à promouvoir le statut de Rome parce que c'est le seul espoir des Africains, parce que la plupart des pays africains, la justice interne n'est pas toujours indépendant, donc du coup aucun autre mécanisme africain n'est compétent pour poursuivre surtout les crimes graves qui relèvent du droit international. Raison pour laquelle mon engagement est de chercher la justice pour les victimes qui sont comptées parmi des millions en Afrique et qui n'ont pas la chance d'avoir une justice impartiale, une justice de l'égalité, parce que les cours et tribunaux en Afrique sont beaucoup plus des justices pour les puissants, pour les autorités, pour les gens qui sont au pouvoir, au détriment des victimes qui sont comptées parmi la population. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de promouvoir la Cour pénale internationale qui est aujourd'hui le seul espoir pour la paix et la stabilité et surtout pour la justice des victimes. Merci.